cobblestones, square circles, and laughs. The Road of Savat. Professor Butron embarks on a journey across France to interview the living professors of Savat in 2012. This documentary captures the history of the French martial arts as told to you directly from each professor. Those who train in the noble art of French foot fighting Savat understand that the professors propel the spirit of pugilism. Enjoy the vast knowledge that's being propelled within the documentary. Savat's history, subculture, its traditions have been passed on orally by its professors and higher ranks within the style. Even though books have been written, it's usually only about its methods of fighting. Enjoy The Road of Savat as told by its professors. Right now in Route 9, Rue Tourneau, the legendary school of Hubert Lacour of 1840 to 1875. From here, Lacan took a great step forward. From here, Savat was developed. People like Victor Hugo used to come to the school as well, as the one as Passage Panorama with his brother Charles Lacour. This street shows great detail of the architecture that was still alive or done in that time frame. What happens with Hubert Lacour is that Hubert Lacour developed Gan to the point of a self-defense system that was... Many people do not know where the old schools were at, and many people do not know how dangerous certain neighborhoods were at that time. And what happens is that, as you can see, you have just down the street, you have the police station, as well as you have the Foreign Legion right here down the street as well. So Rue Tournon is a famous street at that time, and you can also imagine people walking in the spirit, dressed in Victorian age, dandies coming in to learn how to, and training with Hubert Lacour. The Senate was just down the street, as you can see. Those people coming in, training the elite of France, as well as passing on the traditions. It is just amazing that we found this school. It's Rue 9 Tourneau. Oh, c'est à moitié fini parce que je crois qu'au total il a dû créer 8 clubs, ouais. 6 ou 8 clubs, quelque chose comme ça, et je crois qu'il en reste à peu près la moitié. Ah, ouais. Oui, c'était pas le meilleur. Ah ouais, Par exemple, si tu me fais fouetter figure sur la jambe d'appui, tu peux faire ça, tu vois, sur le châssis, d'accord?
Donc après, sur les... Fouetter en bas, chasser, contre-enchasser. Voilà, alors tu pars en fouetter bas. Voilà. Là, je bloque, en général. Vous allez refaire ton fouetter. Je pars avant. Si tu as une grande soupe, par contre, ça demande de monter, tu vois, assez low. Parce que, par contre, j'ai un autre truc, vas-y, donne-moi le fouetter. C'est le revers ici. Ça, je le faisais. Le gars qui, à chaque fois, me mettait le fouetter en bas, j'avais le revers qui partait. Alors, on fait le fouetter. Le revers, il partait ici. Tu sais, d'accord. Donc, le chassé, moi, je le déclenche. C'était par anticipation. Hein, quand je voyais qu'il rentrait trop haut, hein, il était reboxé. Quand tu déclenches une attaque, ce que tu veux, d'accord, j'arrivais. Soit je me mettais après derrière, tu vois, sur des. C'était un peu instinctif, d'accord. Donc après, il y a tout ce, en fonction de la ligne où tu attaques, mais souvent, c'est vrai que le gars qui déclenchait en bas, hein, je mettais le chassé sur le commandant, sur la personne, tu vois, sur le. Mais soit en bas, soit médian, d'accord. Il y avait une anticipation sur le chassé. Pas spécialement une attaque spéciale, mais je voyais, il avait. Comment te dire, la distance. Hein. Il rentrait dans ma distance où il prenait le chassé. Des fois, il déclenchait pas une attaque, mais il approchait la distance où moi, je déclenchais le chassé avant qu'il ait pu, par exemple, face à Pascal, tu vois, il déclenchait, je le voyais. J'avais la lecture de sa boxe. J'anticipais. Tu vois. Donc, c'était pas sur une attaque spéciale, quoi, tu vois. Hein, c'était. Avec Koch, j'avais eu ce problème, c'est qu'il faisait 1m92. C'est-à-dire que même quand il déclenche, il avait tellement de grands bras, de grandes jambes, que c'était un peu gênant. Oui, là, c'est... Non, la spécialité du prof ici, c'est... Du postel, c'est le chassé. Oui. Parce que sur le fouetté, ça marche bien, mais pas toujours sur le chassé. Pas sur le chassé, non, sur le chassé, faut passer en dessous. Pedro Dagoria, pratiquant de VF depuis 1981. Commencé à viroflay avec Jean-Pierre Leblon jusqu'en 1985, dans lequel j'ai enseigné aussi. Par la suite, je suis parti au Portugal, enseigner la boxe française en 1985. J'ai ouvert plusieurs clubs. Actuellement, je suis directeur technique de la Fédération portugaise de boxe française. Pourquoi la boxe française? À l'époque, quand j'ai voulu commencer la boxe française, j'avais décidé de choisir plusieurs sports de combat. Initialement, en 1972, j'ai commencé par le judo, vu que ça me plaisait, comme un peu comme tous les jeunes, sport de préhension, de se jeter, de chahuter un petit peu. Par la suite, chercher autre chose. Alors, j'avais pensé à plusieurs sports de combat, entre autres le Viet Vo Dao, le Beau Vietnam, le Taekwondo, parce que j'aimais bien le travail de jambes. Puis un jour, au salon d'auto, j'ai vu une démonstration de boxe française, faite à l'époque par les bons pompiers de Paris. Et puis, où ils recommandaient, du moins ils conseillaient pour les problèmes de scoliose, la boxe française. Ayant un gros problème de scoliose, ils disaient, pourquoi pas, je vais essayer. Depuis, j'ai plus jamais eu mal, et j'en ai fait toute une passion, de ma vie, quoi. Voilà. Technique que j'aime. En fait, moi, je serais plutôt penché sur les techniques de jambes. Ayant une formation classique, une boxe française, tout ce qui est belle technique de jambes, de fouetter, de chasser, sur lesquels moi j'ai cherché peut-être un côté plus acrobatique où je mettais des coups de pied sautés tournants, sautés croisés tournants, tout comme ça, mais tout ce qui est technique de jambes. En fait, je serais plutôt un pratiquant de jambes que de poings. L'anglaise me plaît aussi, bien sûr, j'ai pratiqué aussi, mais je suis surtout un kicker. Bah déjà, pour commencer, les professeurs qui m'ont plus enseigné, sûrement Jean-Pierre Leblon, qui a quand même été mon professeur et celui qui m'a formé dans la boxe française. Ensuite, quelques professeurs que j'ai connus au cours de stage, tout ça. Par exemple, Hervé Brelandais, que j'ai adoré, Hervé Brelandais comme enseignant. Puis encore quelques-uns, mais j'ai pas de spécial. Disons que je suis un élève de Leblon, quoi. C'est mon professeur, donc j'ai pas trop traîné dans d'autres. Alors, moi, j'ai touché un peu à tout au niveau de sport, quoi, un peu à tout au niveau de percussion, sport de percussion en ring. J'ai touché à la française, bien sûr, j'ai touché un peu à l'anglaise, sans jamais participer à de compétition. J'ai participé en compétition de faux contact et de kick.
Ce que je préfère, c'est la boxe française. Pourquoi? Bah, parce que simplement j'aime les techniques de le fair play de la boxe française, les techniques de la boxe française. L'équipement, malgré tout, que certaines personnes n'aiment pas, j'adore l'équipement de la boxe française, j'aime bien avoir une petite chaussure au pied, j'aime bien avoir mon intégrale, et c'est ce que je préfère. La tradition de la boxe française. Dans la tradition de la boxe française, ce que j'aime bien d'ailleurs, c'est le respect de l'adversaire. On le retrouve dans tous les sports de combat, bien sûr, mais en boxe française, il y a un très grand respect de l'adversaire. J'adore tout ce qui est, comment dire, côté académique de la boxe française. Les origines, j'aime toutes ces choses-là. C'est la boxe française, pour moi, c'est beau. Quoi. C'est beau, simplement. Voilà. Là, pour ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Je m'appelle Jean-Marc.